c'est bon. Ça y est, ça stresse là-bas. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce second épisode du Photo Battle. Aujourd'hui, on est à Saint-Jean-de-Luz avec les mecs pour prendre une revanche, ou peut-être une revanche, parce qu'on va tirer au sort les équipes et on va savoir qui est dans l'équipe rouge et qui est dans l'équipe bleue. Une petite particularité aujourd'hui, bien que la thématique contraignante ce soit la météo encore une fois, on a ajouté une thématique supplémentaire pour un peu complexifier le battle, qui est de déclencher seulement 10 clichés par personne. C'est pas seulement 10 photos à conserver, c'est 10 déclenchements par personne maximum. Et pour s'en assurer, on va prendre en photo chacun nos mains et on va contrôler en post-production les exifs pour s'assurer que la numérotation est logique et qu'il n'y ait pas de triche, parce que on ne sait jamais. Donc on va procéder au tirage au sort ensemble, de savoir qui est dans l'équipe rouge et qui est dans l'équipe bleue. Par la suite, il est 20h48 je crois, on aura donc une heure, on se donne une heure pile poil jusqu'à 21h48, jusqu'à donc le dernier rayon de soleil de la journée, pour terminer donc 10 clichés. Attention, si les 10 clichés sont terminés, ça ne servira à rien de pousser. Exactement. Donc j'espère que vous êtes chauds les gars, ouais, on va tirer au sort, et puis après c'est parti, on perd pas plus de temps. Avec Thomas. Il y a encore des tensions hein, depuis l'épisode 01, mais... C'est pas vraiment des tensions, c'est un ressenti quoi. C'est un ressenti, c'est ça. Méfiez-vous du karma les gars, méfiez-vous du karma. Sa tête me revient pas. Moi c'est plutôt le score ou sa photo qui me revient pas. Allez c'est parti, tirage au sort. Assez d'accord. Allez, go. Comme pour le premier épisode, on a tiré au sort les équipes en live sur Instagram sur le profil de la 4 mémoire. On a rappelé le concept, les règles et la thématique du jour. Pour cette fois-ci, les équipes tirées étaient en équipe bleue Nicolas et Jérémy, en équipe rouge Damien et Thomas. Comme quoi, il faut faire attention au karma. Salut tout le monde, ici c'est Thomas, futur gagnant de la nouvelle session de Photo Battle. La dernière fois que Thomas dit équipe ça, rouge. Il a perdu. Mais Damien avait dit ça. Équipe rouge. Équipe bleue. Équipe rouge. On va mettre le bandana. Une patte enculée. Tu peux tenir ça s'il te plaît, bon. Ça filme. On est en train de filmer Nico qui met son bandana. Il a super bien mis, regardez-le. Tu t'es fait des sourcils, t'as sous les bras? Non, c'est l'éthique. Bon, on est prêt à voir comment je suis coiffé quand même. Ah, c'est bon, ça va mieux avec le bisou. C'est parti les mecs, c'est le début de la photo battle. Allez, le lancement c'est maintenant, on a une heure pour faire 10 clichés. Chacun mais pas plus, donc on y va. Allez. Vous avez vos GoPro? On a nos GoPro, on est équipé. Coucou. Là je suis en pleine souffrance parce que je vois ma salade là dans le sac. Regardez là. J'ai envie de la démonter. Il a envie de la démonter. Mais vous savez quoi ce soir ce qu'il va démonter? Bah c'est bien sa salade. Non non, c'est le photo battle. Il va... Je ne pense pas, putain je suis dégoûté. Je sais que j'ai perdu. J'ai pas envie. On va faire la photo les mecs de preuve. C'est bon les gars? On est parti? Ouais. On y va? N'oubliez pas les gars de filmer un max. Ouais. Donc okay, filmer gars, des passages. Attends. Filmer du b-roll, des passages cinématiques. Et filmer face caméra, vlogger un peu, expliquer ce que vous faites. Attends, le point de retour. Ok. Les mecs ils ont prévu une stratégie là, tu sais ce qu'on va faire ou pas? J'ai aucune idée gros. Bon, on fait au feeling, de toute façon on voit ce qui nous tente et compagnie. La voiture! La voiture! Mais ouais les mecs, on sait où on va là. Pas besoin de courir en fait. Hein? Pas de courir. Bon mais voilà, je suis avec Thomas dans l'équipe. Donc je l'ai pris sous mon aile parce que j'ai envie de le faire gagner ce soir. Ouais, je suis la victime. Mais ce soir on va gagner. Ce soir on va gagner parce qu'on va déjà dans le meilleur spot de Saint-Jean pour moi qui est Sainte-Barbe. Il y en a qu'un de toute façon. D'ailleurs Marco Irutia, si tu veux nous rejoindre, confirmera que c'est le meilleur spot. On va aller en haut, je sais exactement quelle photo je vais faire. Moi parce aussi. Que c'est pas très beau, c'est un peu cramé, il y a beaucoup de nuages. Et je suis déjà essoufflé. Ouais moi aussi. Ça va être vraiment pas mal du tout. Voilà, on marche vers notre lieu. Qui est la petite chapelle en haut de cette colline. Vous voyez pas parce que je suis mis avec un grand angle, mais c'est bien là qu'on va. Et derrière, c'est super dark. Donc il y a moyen de faire deux types de photos. Une photo de couleur froide
avec le ciel bien noir. Mais celle-là, on sait déjà que ça marche pas top pour ouais, les battle photos. Ça pas trop les photos. Ou alors une photo super orangée avec un beau coucher de soleil, un peu voilé, donc pas si beau que ça. Mais on peut rajouter de la composition et faire un truc sympa qui pourra sûrement nous mener à la victoire. Ton ressenti? Ah, mon ressenti, je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire. On a vu la dernière fois que les photos dark ne marchaient pas. Alors c'est pas qu'elles marchent pas, c'est que les photos shot sont préférées. Mais quand on te demande quelle est la deuxième photo par exemple du groupe que tu as préférée, ça peut être une photo qui a eu aucune voix en fait. C'est ça le problème. C'est vrai. Donc, tout droit, on arrive directement en haut. Ouais, mais moi je pense, enfin, comme tu on descendra par là après. Mais ouais, mais j'ai peur que ce soit, il soit plus là après. Allez, on y va. On va commencer par là. Mais moi aussi, j'espère qu'il va pas se coucher. Bon, mais alors viens, on va en haut. On prend la décision maintenant. Non, viens, on va en bas. Moi, s'il se couche un peu, c'est pas grave. Alors moi Damien, j'ai un petit problème, c'est que je pense que j'ai envie de descendre. J'en ai fait une, on verra bien ce que ça donne. Montre. Elle est cadrée, elle est pas mal. Ouais mais. Elle est basique. Voilà, la basique. J'attends Thomas qui est descendu du coup sur le sable pour faire une photo de cette vue. Je pense pas que c'est celle qu'on sélectionnera parce que il fait trop noir. Bon là on a aucune stratégie, enfin perso je sais pas du tout ce qu'on va faire. C'est pas dégueu. Les mecs ils sont partis direction Sainte-Barbe. Donc on a envie de tenter quelque chose de différent avant d'aller là-bas. Parce que je pense qu'on va aller là-bas aussi, on va finir là-bas parce que ça c'est le mieux je pense. Donc, on essaye de faire quelque chose ici au cas où qu'on ait des photos d'ici, mais ça va être chaud. On va voir. Allez c'est parti, on va tenter un premier truc. Parce qu'on a pas trop de temps non plus. On a que 10 clichés. Mais la tactique qu'il faut prendre là, comme on a que 10 clichés, c'est d'en avoir des vraiment très très différents. Parce que la dernière fois, comme on en avait illimité, on en prenait plein de clichés du même endroit, etc. Là, il faut vraiment être stratégique et chercher des trucs complètement différents. Tant pis si ça marche pas. Oh, c'est beau la couleur de l'eau là, quand même. Là, c'est bien bleu turquoise. Hein. Là la couleur est vraiment belle, c'est. En plus le ciel est très sombre, du coup ça fait un méga contraste, ça fait ressortir le bleu de l'eau. C'est assez kiffant, mais c'est pas forcément l'idéal pour essayer de miser de grosses cartes en fait sur le battle. Ok, je prends un risque. Je tente mon premier cliché ici. Il y a le joli le grand hôtel de Saint-Jean-de-Luz, il est assez connu. Il y a une jolie couleur de l'eau, j'aime bien le rocher, je vais tenter une compo, allez je prends le risque avec un cliché ici, pourquoi pas. On sait jamais ce que ça peut donner. Voilà Nico, il m'a dit de me mettre sur ce spot là, du coup je vais mouiller yep. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Tu fais confiance à l'artiste, on verra bien le résultat. J'ai un peu peur, parce que la mauvaise expérience de l'épisode 1 pour les autres, c'était les photos froides. Je sais que sur Instagram, sur les réseaux sociaux, partout en fait, rien qu'à l'œil nu, c'est plus agréable à voir. Les gens ils préfèrent voir une photo aux couleurs chaudes, c'est-à-dire un coucher de soleil, un lever de soleil, des photos colorées que des couleurs froides. Et donc là ça c'est une photo froide, mais voilà, il faut penser que en plus le soleil s'est couché, donc on a pour l'instant on a zéro photo chaude. Donc là on prend de gros risques, mais c'est le jeu. Ça s'est éclaté. Faut qu'on passe de l'autre côté. Ça, c'est le shoot de la victoire. On est en train de quitter Sainte-Barbe. Je pense que j'ai fait une photo. J'ai fait 7 photos, ça veut dire qu'il m'en reste 3. Et je pense que sur les 7 que j'ai fait, il y en a une qui a des chances de percer. Ah, c'est sûr, elle est belle. Mais c'est peut-être la seule. Ouais, il m'en reste aussi. Mais c'est compliqué photos. Parce qu'en fait, on aurait dû aller plus vite parce qu'on a manqué la light, comme vous voyez là. Même si il y a encore la light, mais le problème c'est que. Très peu, mais ça perce pas assez. Ouais, ça perce pas assez. Et du coup, c'est vraiment des conditions pas au top. Et est-ce qu'il y a peut-être moyen, Damien, est-ce que tu veux pas qu'on redescende vers Sainte-Barbe et qu'on essaie de faire une photo avec les escaliers? Mais le problème, c'est qu'il y a du monde et que c'est un peu. Ouais, il y aura du monde, ça va, je pense qu'on perd du temps. Bon, allez, on se décide, on repart tranquillement vers le centre-ville. Il y a une compo à faire là quand même. Je pense que je vais m'arrêter là.
Je vais essayer de faire Damien, une 8ème photo. Regarde à droite. Il faut que tu chopes le trou là, viens là, à gauche. Je pense que tu seras meilleur dans le trou là, ici là, juste là. Là. Regarde. Là t'as une fenêtre. On s'est mis dans la merde. Ils ont tracé à Sainte-Barbe. Et là, du coup, le soleil commence à faire une petite réapparition. Il va pas rester longtemps. On est loin et on n'a pas de photo chaude. Donc là, je le sens pas trop. Le reflet dans le sein. Tu crois là ? Le problème, c'est que là, si on tente les reflets, on en a pour 5 grosses minutes et on perd du trajet quoi. Il va pas y avoir de 3 dauphins qui viennent devant nous ? Et une sirène. Et une sirène. On peut en trouver une sirène. Il reste plus que 8 et je suis pas très content du résultat. Tu vas en bas ? Vas-y, vas-y. Attention ! Je vais appeler les gars pour savoir où ils en sont et s'ils ont des trucs éclatés comme nous ou s'ils s'en sortent mieux. On va tenter ça. On va appeler Super Coupe, c'est parti. Il va pas répondre. Attends, je vais appeler Nico. Ouais. Alors là, il est en train d'appeler Nico. Si jamais il arrive à l'avoir, je suis prêt à me mouiller la nuque. C'est pour savoir si. Où ils en sont dans le battle. Ouais. Salut les mecs, vous en êtes où? Si jamais il arrive à l'avoir, je suis prêt à me mouiller la nuque. Je suis prêt à me mouiller la nuque. On est en train de filmer, on appelle pour savoir si vous aussi vous avez des trucs éclatés comme nous. Ah ouais. C'est compliqué avec le temps là. On arrive. On peut dire, franchement, on est au casino. Les gars, c'est pas... Non, on est parti du côté. À notre avis, on est parti de quel côté? Exactement. On s'est chié la light. Et vous êtes de quel côté, vous? Damien, arrête-toi. Damien. Vous êtes encore à... Vous êtes à Sainte-Barbe? Avant? Ah ouais. Ok. Bon, ben bon courage, les gars, pour la fin. Ouais, merci. À tous. Ouais. Merci, les gars. À plus. Ouais, t'inquiète, on filme tout. On filme tout à l'heure. À toute. On s'est arrêté en redescendant à Sainte-Barbe sur la route du port parce qu'en fait on a vu que la light était en train de repercer derrière comme là vous le voyez très mal parce que c'est en grand angle. Je peux faire mieux mais là c'est bon, je pense que j'ai la photo qui fera la diff. Exactement. C'est fort possible, je suis content. Et du coup on vous laisse profiter de cette petite vue. Avec l'eau turquoise en bas, c'est magnifique. Allez, on enchaîne. Allez, le soleil ressort. Il nous reste une... Oh mec, la couleur de l'eau à gauche, regarde. Oh là 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 là. C'est vénère là quand même. Oh les mecs. Eh hey mec, t'es niveau fil en Shrek. Oh, je suis en train de faire ma dernière photo les gars. C'est la dernière. Dernière? Ouais, c'est la dernière. Il m'en reste 4 cartouches. Moi il m'en reste 5. Putain. Il m'en reste 4. Mais bon, on s'en fout, ils sont éclatés. Oh, je suis au fond du sac, on a que les trucs éclatés. Moi aussi. Vous aussi? Oh, t'es pas prêt. Ah ouais? Ah ouais, c'est bon, j'ai plus de photos. C'est bluffeur. Putain. A toutes les mecs, bon courage. Allez go.
Ah, ça sent trop bon la pizza, c'est une torture là. Tu pourras m'en laisser une. L'horizon est trop dégueu, je crois que c'est... Attends, on bouge pas. Ouais, il faudrait que je sois au grand angle. Allez, c'est bon, merci. Putain, mec, au grand angle, c'est pas mal. Je suis là que j'ai la flemme de changer. C'est éclaté. Ah ouais. Putain, c'est dommage parce que c'est beau l'œil nu. Il y a des jolis trucs à faire dans les nuages. T'as vu les courbes des nuages là? Oh, regarde, gros, regarde ce qu'ils vont louper. Alors, gros, ça va être violent. Oh, c'est violent déjà d'ici là, non? Ouais, putain, va l'arbre. Comment tu fais un truc avec les feuillages? Ah, oui, oui. Joli compo là. Allez. Une de plus. Le ciel commence à se colorer. Et les autres, j'ai compris qu'ils avaient... Ils avaient tué leur dernière cartouche. Là, c'est pas mal. Avec la chapelle. Parce que là c'est ouf. Oh, je suis content, celle-là elle est cool. Je crois que j'en ai une de pas mal. Et putain, il y a du monde hein. Mec, je suis trempe. C'est quoi, il va falloir qu'on trace. Faut qu'on trace. Oh, je vais le reflet. Je vais faire le téléphone. Ça peut être pas mal, putain. Il fait tant que c'est à limite coloré que c'est exploitable en post-prod. Sauf que j'ai jamais testé avec cet objectif. Petite compo reflet pour J. On mise nos dernières cartouches sur ce qu'on peut. Et ce qu'on a, le ciel est pas mal là. Il y a moyen de l'exploiter en post-prod après. Donc voilà, faut essayer de tester les choses originales, les choses qui peuvent plaire après en post-production. Non putain. J'ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en reste 2. T'en as combien toi? Il m'en reste 2 fois. 2? Oh, c'est pas mal gros. T'es pas autre. Ah ouais. Je peux t'entendre ça. C'est ok non? Viens, on va jeter un oeil à l'horizon déjà, savoir s'il y a un truc exploitable ou pas. Oh mec, faut en faire une à droite là-bas, je pense. Oh, le ciel. Et à droite, ça va voir. Oh mec, l'eau. Oh, mode 2. Oh là, on est obligé ici, là. Ah ouais. Ah oui, pour retourner là-bas après. Passe par où? Foutu au spot de Sainte-Barbe et on va se tenter ça. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Nico il descend tel un petit hobbit qui sort de sa cahute. Voilà, on va voir ce que ça donne. T'as fini? Je vais tenter les fleurs d'en bas là. Il nous en reste une chacun, je crois. T'as pour voir? On a 13 minutes. Il m'en reste une aussi, ouais. Je crois que j'ai déjà ce que je veux. Et voilà, Nico, il fait des acrobaties. Ouais, c'est Koh-Lanta. Merci, mec. Allez. Putain, c'est excitant les escaliers là, quand même. On sort. Putain, j'ai envie de faire avec mes pieds ici. Je viens pas là. Thank you.
Je me fais attaquer par mon sac à dos. Clairement, on va donner tout ce qu'on a sur le run. Quelle heure il est, gros? Putain. Combien? Ouh, on a 10 minutes plus poil. Ça sent pas bon. Merci. Putain, les reflets sont assez bons. Donc, je suis en dessous. Au final, je suis plus content de là que de Biarritz. C'est vrai? Ouais, pour l'instant. Eh ben vas-y, retour à case départ, on a 9 minutes. Ça sent pas bon. Ça sent le sport ce coup. T'es prêt à courir? C'est beau ça. Vous voyez, au-delà de la photo, ça c'est beau l'amour comme ça. Bah vu quoi. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps, JJ se fait des petites parties plaisir. Et en tout cas, on est joueur hein, parce qu'il fait ça pour les stories. Allez go. Bon ben là, c'est parti. Allez, ça tombe bien, j'avais pas fait de sport aujourd'hui, JJ. Il est 40 du bord. Combien il est? 40 je crois. Ça va, on a 8 minutes. Je suis mort. Combien il est? Ça va, on a 8 minutes. Ça devrait aller. Mais on va pas prendre de risque. Connaissant le loup, ça pèse ça. Je perds mon fut surtout. Attends, faut que j'enlève mon pantalon. Je vais choquer les gens. C'est du... Merci. Contenu sensible. J'ai pas envie de me faire bloquer par YouTube. Merci. Quelle heure il est? C'est bon. Bien joué gros. Bien joué gros. Que le meilleur gagne. Bon, c'est terminé pour nous. Il nous reste 2-3 minutes. Ils font la photo des vainqueurs devant la voiture là. Ah là là. Il nous reste 2-3 minutes pour arriver à la voiture, sachant qu'on est à côté, donc c'est cool, on a bien fait de courir, au cas où on sait jamais avec moi. Ça va, on est plutôt satisfait. Il y a du potentiel. C'était pas ouf, encore une fois, la météo c'était pour tout le monde pareil. Donc, je sais pas, il y a de quoi faire. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de shots différents. Et ce que disait GG, c'est que, comparé à l'épisode 1, déjà, il est plus optimiste parce qu'il a du choix. Avec des clichés différents. Plus loin aussi. Donc on verra, franchement c'était difficile de faire mieux que ce qu'on a fait, je pense. Pour mal de prises différentes. On a géré le temps là. On verra. Maintenant reste à voir si les autres ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Mais j'ai reposé un cierge quand même. Ouais. Ils sont là les mecs. Vous avez manqué les mecs. Bien joué, je sais pas ce que vous avez fait. Bien joué les gars. En tous les cas, on était au rendez-vous. À l'heure. Samedi 14h, photo max pour envoyer un. Ok. Ça vous tente? Samedi, ouais. En plus, n'oubliez pas, demain c'est mon anniversaire. Et sachant que vous allez la voir dans un mois, la vidéo. Vous verrez la vidéo dans 6 mois, donc en fait, on vous dit samedi, mais on vous l'enverra lundi en fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne vidéo de Nicolas Faye. Les mecs, bien joué. On se donne rendez-vous pour les edits et pour la publication. Rendez-vous sur le canap pour le débrief et de savoir quelle photo l'emporte au pluriel et donc quelle équipe c'est repart gagnante et donc repart avec le totem. Ouais. Allez, on se retrouve sur le canapé les gars. Le photo battle est à présent terminé, ça y est, on a réalisé donc la séance photo à Saint-Jean-de-Luz. On avait à peu près une heure pour réaliser ces photos. Je rappelle le contexte, on avait 10 déclenchements par personne, soit 20 par équipe. On s'est imposé cette contrainte. Et on devait donc retenir une seule photo par personne, ce qui faisait un total de 2 photos par équipe. On vous a demandé de voter pour vos photos préférées de façon anonyme, c'est-à-dire qu'on n'avait pas dévoilé quelle photo appartenait à qui. Et donc, on a publié les photos sur le profil Instagram La4Mémoire, qui s'affiche ci-dessous d'ailleurs. Vous pouvez aller vous y abonner, ça fera pas de mal et vous pourrez voir nos aventures, nos photos et les prochains épisodes des photos battle en direct. Donc le temps s'est écoulé, on a posté les stories hier, il y a les 24 heures qui sont écoulées et on attend avec impatience les résultats pour savoir qui de l'équipe bleue, c'est-à-dire Jérémy et moi-même, ou l'équipe rouge Damien et Thomas, l'emporte et repartira donc avec
ce fameux totem que l'équipe gagnante aura pour récompense, comme on l'a dit dans le direct Instagram, dans le live, de pouvoir customiser à leur goût le totem. Les stories sont donc terminées, on peut comptabiliser dès maintenant le total des votes et on va le faire photo par photo. On vous a dévoilé il y a quelques jours l'appartenance des photos. Vous avez donc pu voir que la photo numéro 1 m'appartenait. La seconde appartenait à moi-même. Numéro 3 c'était moi et moi c'était numéro 4. Bravo. Bravo messieurs. Nous allons procéder au dépouillement des votes sans huissier de justice, on n'a pas encore les moyens. Donc c'est parti, est-ce que quelqu'un d'entre vous est volontaire? Je me fous sur la page, roulement de tambour. C'est parti, il va se mettre roulement de tambour. Nombre de votes de la photo 1 qui m'appartient. Équipe bleue. Équipe bleue. Du coup, photo numéro 1, 392 votes. Wow, ça, ça, bon, ça, on aime ça, pour l'instant on gagne. Pour l'instant on gagne. Il n'y a que ta photo. Ça fait la merde. Pas mal, bien joué. Merci toi aussi. On part sur la photo numéro 2, donc qui Damien. M'appartient à moi. 347 votes, mon salaud, ça va ça. C'est serré. C'est serré. Pas mal, ouais. Ça peut le faire. C'est serré, je suis pas vraiment c'est serré. Photo numéro 3 qui était la mienne. Équipe bleue. Équipe bleue, 239. Oh, c'est pas mal ça, gros. C'est bon ça. Ça veut dire que si Thomas fait un bon score, on est devant. Attends, du coup, on a combien là? Qui c'est qui fait un calcul là? Alors, ça fait. Donc, attends, on va la faire, attends. Non, attends. Ça fait 641. De tête, non. 631. C'est ce que j'avais dit, 31, voilà. Tu fermes ta gueule. 31, 631 pour l'œil bleu pour l'instant. Et combien pour les. Moi, je suis à combien? 347. Et on dévoile la quatrième photo. Il faut donc que Thomas fasse au moins 284 pour égaliser ou mieux pour dépasser l'équipe bleue. Et suspense. Photo numéro 4, 55 votes. Oh, c'est abusé. Je fais des formations photo, les gars. Si vous voulez, je fais des formations photo, les gars. Après, ne pas oublier que c'était chacun pour sa peau. Je serai deuxième. C'est pas grave, non. C'est pas grave. Je quitte la 4 mémoire. C'est bien, les gars. Vous êtes bien battus, c'est dommage. Oui. Vous avez pas de goût, désabonnez-vous. Il y a pas vraiment eu de bagarre. Merci encore une fois pour votre implication, pour votre intérêt autour de ce battle, de ce concept. En tout cas, on prend grave plaisir à le faire. Moi, perso, je me régale. Ouais, 70 votes en deux parties, c'est pas mal. Je vous remercie, ça fait plaisir. Il y a du mieux. Il y a du mieux. C'est un progrès, ça. Objectif. Peut-être qu'au bout du quatrième, tu seras à 200 votes. Peut-être. En tout cas, je vous le souhaite. Moi aussi. J'espère que vous avez kiffé. Merci à tous encore une fois d'avoir participé, d'être aussi nombreux à participer dans ce concept. N'oubliez pas de venir nous retrouver sur le profil La 4 Mémoire pour découvrir toutes nos aventures, pour voir les prochains épisodes qui arriveront et surtout pour donner vos idées, pour nous donner des thèmes, etc. D'ailleurs, si jamais vous avez envie, vous souhaitez participer à ce type de photo battle, que vous soyez du sud-ouest ou de la France tout entière, parce qu'on a décidé d'étendre ça à vraiment tout le pays, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo, à mentionner votre motivation là-dedans, à nous donner des idées de thèmes, etc. Vraiment, faites preuve de participation, on est ouvert à tout et on ne sait jamais, peut-être que vous ferez partie aussi de l'aventure un de ces quatre. En tout cas, merci pour... tout au vote. Et n'hésitez pas à m'aider à passer les 100 likes la prochaine fois. Voilà, n'hésitez pas à si jamais vous voyez que Thomas est un peu en galère. si vous voulez donner des conseils à Thomas en commentaire de la vidéo, n'hésitez pas. Bienvenu. Envoyez des tutos YouTube de Monsieur Lafaille. Les miens si vous voulez. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez kiffé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça fera plaisir. Et vous pourrez retrouver aussi l'ensemble de nos comptes Instagram en description. Ça fera plaisir à tout le monde. Je suis heureux de remettre ce trophée du coup à mon ancien coéquipier Nicolas avec qui on avait gagné la première édition du Photo Battle. À sa nouvelle équipe, Jérémy et lui, l'équipe des Bleus. Et, félicitations à vous. Voilà, je vous le remets, les gars. Félicitations. On récupère en même temps. Pour vous, ouais. Bon. Ne force pas, s'il te plaît. Ouais. Félicitations, les mecs. Félicitations, mon gars. Bienvenue à la maison. Bravo. Ça fait plaisir, celui-là. On applaudit jaune, mais bon, on applaudit quand même. Voilà, ça c'est beau. Évite de faire quoi? Un bokeh éclaté ce soir, s'il te plaît, pense à Damien. Il a reçu ça comme message. Benji, il l'a chié dessus. Mais non. On s'est posté sur cette petite plage. Il y a le soleil qui est sorti un bout, il y a les reflets. Et voilà. Hein. Ah, les pieds! Ah!
Et voilà, c'est les risques. Ouais Damien, vu que samedi c'est ton anif, on va pas te faire de cadeau, t'es, c'est gagné. C'est vrai. Ne rêve pas. Donc je vais contacter les 617 personnes qui n'ont pas voté pour moi afin de comprendre leur choix. Et pour progresser et toujours dans une optique de m'améliorer et de comprendre pourquoi je n'ai pas eu de bonne vote. J'avais dit par Serpentard. Comme ça. Bienvenue à tous sur ce deuxième épisode du Battle. Deuxième épisode, Nicolas Faye à toi. Merci. Donc on est sur ce battle, c'était un peu particulier parce qu'on avait dit que le dernier était éliminé. C'est un conseil Koh-Lanta. Et on vous a demandé à vous. Fermez-vous, c'était nickel. Attends.